Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Lord Numer. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de notre série sur Minecraft Cities. Alors on s'était laissé sur le shop que j'ai un petit peu amélioré. J'ai un petit peu enlevé les angles, là j'ai marqué shop. Bon, c'est pas très beau, mais surtout pour que le joueur ne se perde pas. Je mettrai aussi des panneaux, mais surtout pour qu'il se perde pas au niveau des endroits. Donc là c'est shop, là on voit bien que c'est la mairie. Et là, voilà l'intérieur, comme vous avez pu le voir, j'ai mis plus de lampes torches. Là j'ai mis ça ici là, genre de tapis roulant, et j'ai continué aussi les routes en off pour éviter de vous embêter avec toutes les routes, tout ça. Donc voilà comment ça rend un petit peu avec les routes. Et là on va passer, j'ai un petit peu fait l'endroit, on va passer sur les buildings. Donc le premier building, first building, alors on va le mettre ici, un bon petit building en briques, donc avec des vitres, tout ça. Donc voilà la hauteur qu'il va faire. On va faire ça, cette hauteur, et puis on va mettre au dessus ça. Voilà, ça peut bien rendre. Je vais faire des vitres et puis voilà, on va faire plusieurs pièces dedans. Je vais monter l'immeuble avec les vitres et un petit peu les pièces à l'intérieur, surtout tout de suite. À tout de suite les gens. Et bien c'est bon, j'ai terminé le bâtiment. Je voulais faire l'intérieur avec vous, mais après j'ai pensé que ce bâtiment n'était que là pour décorer. Donc on va le laisser comme ça, il est très bien, j'aime bien, il est assez beau. Ici j'ai fait une petite cheminée, et puis voilà. On va voir avec la vue d'ici, ça rend vraiment pas mal. Donc un petit bâtiment, il y en aura plusieurs comme ça, avec le shop qui est juste là. Voilà, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça fait très classe. Bah je vous laisse, on se retrouve pour le prochain épisode, sûrement pour faire le parc. J'ai d'y penser pendant que j'étais en train de construire, sûrement pour faire le parc. Je verrai ce qu'on pourra faire. Voilà, ça rend encore mieux comme ça. Ça rend encore mieux comme ça. Est-ce qu'on pourrait même rajouter un truc comme ça? Voilà, ça c'est bien ça. Voilà. Après, il n'y a pas trop d'éclairage, mais je verrai parce que peut-être que ça se passera la nuit. Sinon je foutrais des lampadaires comme ça qui sont pas bien, enfin qui sont pas mal. Voilà. Puis j'essaierai de revoir l'extérieur de ce shop. L'intérieur il est très bien, mais l'extérieur, voilà, j'essaierai de revoir. Bon voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Allez bye tout le monde. Re tout le monde, je suis désolé de vous avoir dit au revoir. Je me suis rendu compte que l'épisode ne durait que 2 minutes et je trouve que c'est pas énorme pour une petite construction de map. Donc je vais continuer un petit peu les routes, on va les continuer un petit peu ensemble pour que vous voyez un petit peu ma manière et ma façon de le faire. Donc voilà, j'ai pris tout ce que j'avais besoin pour faire des routes, et je voulais faire un rond-point, mais je me suis dit ça va être un petit peu trop dur, donc on va rester un petit peu sur les routes américaines qui eux n'ont pas de requins de rond-point. Donc je pensais faire le parc ici, donc juste derrière, donc on pourra faire un petit peu les délimitations. Sachant que je pense qu'ici je vais continuer la route, comme ça. Donc ça fait 5 5 5 5, voilà un truc comme ça. Donc vous voyez comment je fais. Donc ça je préfère pas trop le faire, enfin, je préfère plus le faire en off parce que c'est un petit peu chiant. Mais vu que là l'épisode ne durait pas énormément de temps, je me suis dit bah faire ça, ça sera fait. On va laisser tomber, voilà, ici. Et après bien sûr les routes je les ferai bien sûr en off, sachant que le parc, sachant que le building pardon, vu que je me suis rendu compte quand je faisais la construction, ce serait mieux de faire un élément de décor pour pas que tout se passe dans le centre-ville. Donc voilà un élément de décor, donc c'est pour ça que la vidéo ne va pas durer très longtemps. Mais le parc je le ferai entièrement avec vous. Là on fait les petites délimitations dans cet épisode et on passera dans l'autre épisode sur les éléments qui sont à l'intérieur du parc, fontaine, jeu, etc. Bien sûr après je pense continuer avec Azenox. Donc faire chacun son truc de son côté. C'est-à-dire. Enfin non pas faire chacun son truc de son côté, mais faire ensemble, par exemple si on doit faire des buildings, on en fait un chacun, tout ça, ça
Ça peut être plus simple, surtout qu'Azanox va plus se concentrer sur les command blocks et sur le texture pack. Donc lui, il gère très bien ces choses-là. Je suis désolé si vous entendez l'aspirateur. C'est chez moi. C'est ma soeur. Oui, ma soeur qui passe l'aspi. C'est très bien. Voilà. Donc, je vais faire d'abord les délimitations. Ça, quoi, je compte toujours 3. Mais c'est vrai que pour le parc, ça va faire un petit peu petit. Donc ce que j'aurais pu faire... comment je pourrais faire? Parce qu'avec le parc là ça va faire vachement petit. C'est quoi? Non, ça va être bien. Ça va être bien. Ce que je vais faire c'est que je vais en faire un de deux. Et là je vais cutter tout ce qu'il y a ici. On va rajouter de la terre. Je vais faire que de deux. Je vais pas faire de 1. Ou même de 1, ça peut être cool. C'est vrai que ça fait un petit trottoir. De 1, on va faire de 1. Sachant que je veux pas trop que ça soit symétrique partout. Mais je trouve que ce texture pack pousse à faire du carré. Après c'est ce que je trouve. Je ferai tout ça en off. Tout ce qui est cuté, tout ça, je ferai ça en off. On referme le parc. Je pense que là il est grave assez grand. Sans que je pense qu'il n'y en aura pas qu'un de parc. Comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, mais bon, je vais me répéter comme ça vous le savez. C'est une préparation pour une map aventure que je vais sûrement faire avec Az. On avait idée de faire des maps aventure, donc voilà, je fais une petite préparation avec vous. C'est pas mal. Voilà, normalement il y a le mode World Edit, mais voilà. Mais j'ai pas trop. Enfin, j'ai le temps d'installer, mais c'est pas ça. C'est juste que voilà, ça me prend de la tête à l'installer, tandis que ça me passe le temps, tout ça. Et voilà. Et normalement, vous avez vu la vidéo de la fin des milieux. Voilà, je m'explique un petit peu dedans pourquoi. Si jamais vous voulez savoir pourquoi il n'y a plus de milieu, allez voir cette vidéo-là. Je m'explique dans cette vidéo-là, donc je vais pas me répéter. J'explique pourquoi j'ai arrêté. Voilà un petit peu les délimitations du parc. Attends, faut aller jusque là. On va faire ça. Hop, au pire, ça je vais faire en off. Donc voilà la délimitation. Donc là, la route va aller jusque là. Qui va s'accrocher ici et peut-être continuer par là, par là et par là. Sachant que la ville n'est loin d'être finie. Et tout seul, sachant que tous les blocs que j'ai cassés, tous les blocs que j'ai posés, c'est moi qui les ai faits. On peut même aller voir dans les statistiques. Ça me ferait plaisir de voir ça. Non, pas chez moi, je pense. Statistique. Alors. Jump, j'en ai fait 1046. Pas mal. J'ai ouvert un point chest. Ah ouais. C'est marrant de voir les trucs comme ça. J'ai quitté 4 fois le game. Ah, parce que en fait, j'enregistre tout ça en une journée. Hein. Tout ce que j'ai fait là, c'est en une journée. Donc, voilà. Surtout que ça prend beaucoup de temps. Là, ici, je vais continuer 2-3 pour ceux qui vont se demander. Et ça dépend si je vais continuer tout droit. Là, il y aura un trottoir. Ce que je pourrais faire, même pour ajouter un petit peu plus de RP, c'est faire des stations essence. Ça, j'essaierai d'en faire 2-3 dans un épisode. Les épisodes des stations essence. Mais j'essaierai de voir comment je pourrais trouver le thème de les faire. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais bon, j'ai une petite idée, mais je suis vraiment minime. Bon voilà, je vous laisse pour ce petit épisode qui a été en 2 fois building plus délimitation du parc. On se retrouve pour le prochain épisode. J'espère que vous appréciez cette série. Moi, je prends beaucoup de plaisir à la faire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Allez, kiss tout le monde.